Salut l'équipe, il est 8h du matin, direction Londres mon gars, pour NBA Global Game. Ouh, il y a du bruit avec les trains ce matin. Avec une équipe un petit peu particulière, il y a Wax avec nous, il va lui faire une énorme surprise. Il pense qu'il va rencontrer Kwame Brown, et en fait il va rencontrer l'idole des Pistons, Isaiah Thomas. On va suivre ça, ça va être une belle surprise, et on va voir plein de choses. Jusqu'à vendredi les gars, il y a 4 jours à Londres, ça va être chaud. On est enfin arrivé à Londres, les gars. Yes sir. Et on va aller voir Kwame Brown. Kwame Brown. À vous, les gars. Une belle semaine qui s'annonce ici à Londres. Enfin, on m'avait vendu un peu le truc, genre il y a Isaiah Thomas et tout. Il y avait un mec de la NBA qui m'avait contacté en me disant ouais, il y aura Isaiah Thomas. On m'annonce qu'il n'y a pas Isaiah Thomas et qu'il y a Kwame Brown. Salut l'équipe, on est au City Sport, là où a lieu le premier entraînement des Denver Nuggets. Et ensuite, c'est les Indiana Pacers qui vont enchaîner. Et on va aller un petit peu à la pêche aux interviews car on a beaucoup de choses à demander. Born on the Miles Turner, it's a new generation of center. Miles Turner. Yeah. One word about him? Yeah, great. I think he's great. Great future? Yep, great future. Thank you. All right. Je sais pas ce qui se passe avec Miles Turner, mais c'est pas son gars. In the center, the big man in the league, who is the best right now? I'd probably say Miles Turner, but you know, that's just my personal opinion. If I had to defer, I mean, I really like, let's see here. I can't think of anybody but myself. Yeah. And, thank you, Miles. C'est pour vous, pour la first team. Pour tout le monde, quoi. Pour vous, ça. Il est rentré ? Il est rentré ? La honte au maximum. Merci les petits. On vient de finir, c'était incroyable, vous avez vu, Isaiah Thomas est un mec génial, bien loin de l'image qu'on peut imaginer de lui. Le Bad Boys est en fait un mec super souriant, super sympa, et avec la rencontre avec Wax, ça a tout simplement été incroyable. Nous sommes dans les bureaux de NBA à Londres, et Erwan, dis-moi qui on va rencontrer. Il est partout. Pourquoi on est dans les bureaux de la NBA, Wendy? Alors, on va rencontrer Paul George, mais pas que, c'est aussi les finales européennes du tournoi 2K, et on va vous montrer un petit peu les coulisses. Good to talk about 2K. Have you seen your character? Yeah, I play a lot, man. Really? I'm a big 2K fan. With Pacers? And you? Always Pacers. Yeah? Always. I go for like 50 every time. What would you change on your character? I'll probably be a 99. Really? Yeah. Like not miss a shot, steal everything, block everything, all the badges. For you, who is the real MVP right now? Wow. To me? Westbrook, Harden, LeBron?
Well, LeBron, he can be MVP every year because he's so valuable. He's probably the best player in the league. But as far as this season going on, if Westbrook finishes with a triple-double, he has to be the MVP. But if he doesn't, James Harden is having a terrific season. The numbers that he's putting up and also the success that his team is having. Deuxième jour à Londres, après une première journée très remplie. Wax, tu t'en es remis de ta rencontre avec Isaiah Thomas. Grave. C'était fou. Donc là, on va aller à l'O2 Arena voir l'entraînement des Denver Nuggets. Et puis après, on ira voir Monsieur Kevin Serafin, son hôtel. On va faire une petite interview pour lui parler de sa saison et de l'événement à Londres. J'espère que tu auras récupéré un petit peu d'énergie parce que là, t'as l'air au bout du rouleau. Un peu légèrement ça. Allez, c'est une grosse journée qui nous attend. Aïe. Alors oui, les chaussures sont dégueulasses, mais c'est pas ça l'erreur. L'erreur, c'est que Mark Jackson a bien été rookie de l'année, mais ce n'était pas en 98, c'était en 1988. Sachez-le. On est juste après l'entraînement des Indiana Pacers dans l'O2 Arena, c'est super grand, c'est super beau. On voulait vous montrer l'envers du décor pour les journalistes, ça s'appelle un pool. Les journalistes sont autour des joueurs et c'est difficile d'en avoir un, surtout les gros stars comme Paul George, impossible de l'avoir. Paul George, tu joues au basket ? Bon bah c'est la honte, j'ai ramené mon papa, il voulait absolument venir au match. Et il est complètement cuit, quoi. Tu as teasé l'enculé. Voilà, on a quitté l'O2 Arena, on a fait une grosse heure de taxi et là on est à l'hôtel Marriott de Park Lane. Vous voyez, endroit magnifique, ambiance très feutrée. Il y a même un mec qui joue du piano, qui joue Lionel Richie, Hello. Voilà, et là tout à l'heure Thomas va interviewer Kevin Serafin qui va nous parler un petit peu de sa saison avec les Pacers. Il y a Alexandre Jassin qui a déclaré que pour lui l'équipe de France était complètement finie là il y a moins d'un mois. Ouais, il a voulu dire officiellement, je t'assure. Ça arrivé quand j'ai pas vu. Il y a un mois. Il a dit que voilà, aujourd'hui, il ne s'en est plus avec l'équipe de France, avec son collègue, donc il allait arrêter complètement sa carrière internationale. Donc ça c'est une news pour toi. J'étais pas au courant. Dernier, tu nous avais dit que tu avais envie de jouer en équipe de France, c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. Bon, après c'est quelque chose que j'ai jamais fermé. C'est arrivé, oui, mais j'ai pas fermé les portes. Quoi. Et c'est sûr que pour moi, ça reste un projet. Genre, j'ai que 27 ans, je reste encore. Voilà, je peux encore jouer 10 années. Donc c'est sûr que l'équipe de France, c'est dans ma tête, quoi, j'y pense. Troisième jour de notre périple à Londres et aujourd'hui on est dans les bureaux de la NBA à Londres. Ouais, on va un petit peu visiter, voir ce qu'ils font, quel est leur travail et surtout on va se faire une grosse partie touquée. En fait, ici, donc c'est les bureaux, il l'a dit, de la NBA, on va savoir ce qu'ils font en Europe parce que finalement on ne sait pas, il n'y a aucun média français qui l'a fait et après on va jouer à la Play parce qu'ils ont une énorme télé et qu'on adore jouer à la Play tout simplement. Et peut-être que j'aurai encore une surprise. Ah, ok, d'accord. Et surtout on va découvrir qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent ici à Londres pour la NBA et n'oubliez pas surtout, c'est important, 5 fruits et légumes par jour. Avec Benjamin Morel, le boss de la NBA à Londres. On a été surpris de savoir qu'un Français, on le sait très peu en fait en France. Faut pas être surpris. Un petit peu. Non, mais ça fait longtemps maintenant que je suis à la tête de la NBA en Europe, 6 ans, et je suis ravi de vous accueillir dans nos locaux de Londres et ravi de vous donner l'occasion de voir un match ce soir à l'O2 Arena. Il y a un match à Londres chaque année, il y a des matchs à Berlin en début de saison, à Milan on a vu.
est-ce qu'on va pouvoir retrouver un match NBA à Paris? Le dernier, c'était Minnesota-New York, il me semble. 2010. Et voilà. J'y étais. Et donc, évidemment, moi, en tant que responsable français, c'est, j'aimerais vraiment pouvoir ramener dans un futur relativement proche un match à Paris. C'est logistiquement compliqué de rajouter des matchs de saison régulière, etc. Donc, je n'ai pas d'annonce à vous faire là, comme ça, on se coupe. On est déçus. mais c'est vrai que ce serait une formidable expérience, notamment avec l'accord Hotel Arena. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Merci Benjamin. Merci. On va jouer à NBA 2K. Erwan, tu vas prendre une roustasse, mon gars. Ça, j'ai mis 150 balles sur la table. Et forcément, il y a des bons coiffeurs. Filme-toi. Filme-toi. Hello. Bonjour. Je parle français. Je suis congolais. Mais à l'époque, quand j'étais encore petit, là, il avait des mères qui comme Limoges et tout ça. Limoges. Pau. Paris Saint-Germain. Lasvel. Ouais. Mais d'où sont parties toutes ces équipes là? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Strasbourg et Nanterre. Monaco. Ça fait moins rêver. Et Monaco. Ah oui, Monaco, c'est pas la France. Ah non. Oh, ouais, les Français ne gagnent pas. Pendant que quand vous êtes à Nice, on vous demande est-ce que M. Mutombo voulait aller à Monaco. C'est pas très loin. On ne dit pas que tu vas dans un autre pays. Ah, vous avez maintenant quoi? 6 joueurs? 11, 7? 11. Mais oui. 11 avec tous sont dans l'équipe nationale? Non, pas tous. Le problème d'affinité, ils ne s'entendent pas tous bien. Avec le coach, il y a des problèmes. Mais oui, un peu. Il faut changer le coach. Il vient de le re-signer. Non, on dit que si les trains ne marchent pas très bien, il faut changer le coach. Plutôt. Dikembe Mutombo, on peut le changer Vincent Collet. Vous l'avez entendu, Vincent Collet, on est désolé, mais Dikembe, il a dit, c'est terminé. C'est ça que Michel Platini en a fait, même sur le plan de football. Quand il a vu qu'il avait un peu beaucoup de gauche à droite, là, il a fait partir tout le monde. Ah ouais. Ah ben c'est enregistré, on va l'envoyer à la Fédé, là. Bon, ça sont mes opinions personnelles. Tu veux coacher l'équipe de France? Ah ouais. Ah, si on me paye. Hein. Ah ben ouais. Bah oui. Si on me paye, je vais venir. C'était juste du bénévolat 2 mois par an, juste venir un petit peu. Pour les vacances. Pour les vacances. Demande ce matin, je serai là demain. Stage au temple sur l'autre. Ouais, si le chèque est tellement bien marqué là, avec quelques zéros, je viens. Moment assez incroyable. Dikembe déchire. Mais on est là pour parler de la partie touquet qu'on a fait. T'as gagné Erwan, c'est ça? Tu veux me dire? J'ai gagné 2-3 points. T'avais pris qui déjà? J'avais pris Denver. Ouais, j'avais pris Indiana. Paul George a été bon. Un peu craqué sur la fin, poteau Paul. Bon, c'est pas grave, on espère surtout qu'il sera meilleur ce soir. Oh, ouais. C'est clair. De retour à l'O2 Arena pour le grand match. J'ai un truc à vous montrer, c'est la toute première accréditation officielle de la NBA pour First Team. On est super content, c'est un grand plaisir de vous la montrer. Et je sens qu'on va vivre un super match ici à Londres pour le dernier jour. Bah écoute, Nuggets contre Pacers, j'espère que ça va être un match équilibré, je pense pas, mais en tout cas j'espère qu'on va avoir un peu de spectacle. Je vais pas dire que je suis pour les Pacers parce que ça donnerait une victoire supplémentaire pour mettre dans le trou mes Pistons, mais quand même si. Bah, ce qu'on a envie de voir, c'est un bon match d'abord, on espère qu'il n'y aura pas de blowout, un match bien disputé sur la fin, pourquoi pas une belle prolongation, et surtout on a envie de voir les stars au top, notamment Paul George. Si Paul George peut mettre un petit carton à 30, 40, 50 points, on sait pas, cette saison c'est tellement fou. On est dans la salle réservée aux interviews et dans quelques minutes, il y a le big boss de la NBA, Adam Silver, qui va faire une conférence de presse. Bon Erwan,
maintenant on a upgradé au niveau des places. Le prochain objectif, c'est de s'amuser à la fin. Mais en tout cas c'était génial, on a passé 4 jours incroyables, en plus on était placés comme vous avez pu le voir demain. C'était un rêve qu'on a vécu vraiment les gars pendant 4 jours. Le premier truc qu'on va vous dire c'est merci à la NBA, vous avez permis de vivre des moments incroyables. Azéa Thomas, Marcus Camby, Paul George, Dikembe Mutombo et surtout le match, c'était vraiment top. Et là, on est sur le parquet les gars, on est sur le parquet pour vous, pour la First Team et pour nous. 1, 2, 3, First Team. Chapeau l'artiste.